Rien ne va plus. Je suis au bout du rouleau. Chloé n'est pas d'humeur. Oh, c'est bon. Oh, mesdames et messieurs, il fait d'ores et déjà trop chaud. Tu veux me sucer le crâne? On est parti pour cette belle émission du React et regardez qui j'ai à côté de moi, le sponsor Coca-Cola. C'est bon. Notre ami Genius, qui me fait l'immense honneur d'être présent ce soir. C'est l'honneur pour moi. Comment, tu vois, c'est la première fois qu'on fait une émission ensemble. Je suis un peu ému. Ça fait longtemps. Non, la fois c'était Game One, c'est le mec qui sort. Non, franchement, le mardi à chaque fois. On fait un petit peu de fou, le grand chelem. On commence avec le lunch play. Le lunch play. Toi, t'as quand même t'enchaînes avec Allociné 2 heures après. Moi, je me permets de faire une petite pause. Voilà. Et après, récap. Et ensuite, react. Mais Trisson, en fait, t'es le troisième, quoi, ici. Pourquoi le troisième? Tu es une équipe et tu es avec nous. Et ça, c'est extrêmement beau. C'est un plaisir. Et je pense que ce soir, on va encore une fois passer une très belle soirée. Alors, on n'a pas de I'm Just a Lover ce soir. Je vous le dis tout de suite. Ouais. Ah, ça fait mal. Bon, Xary, couteau dans le dos. Hop là, on l'embrasse pas. Hein. On rappelle Xary. Qu'est-ce qu'il préfère plus que tout? Ah, j'ai retenu les gros nibards. Voilà, là, il n'y a pas de. Les énormes touches. Les gros nibards. Les Robert. Xary, donc, on l'embrasse. Ah, c'est un ami. Bah, il est en train de se régaler. Ils sont dignes remplaçants et tu vois, ça me fait quelque chose. Ça te fait quelque chose? Ah, là, ça me fait quelque chose. Tu te dis pas, je suis la cinquième roue du carrosse, quoi. Là, tu te dis, je suis quand même dans le top du top, quoi. Ah, même la cinquième, ça me va. Moi ça me va, c'est tout, ça me va. Ok, très bien, bah écoute, tu nous regardes, le chat le dit tout de suite, les gros nibards et tout ça, bon ça ils connaissent, c'est un grand classique. Pour nous accompagner ce soir, une équipe de folie, regardez, regardez, je vous les montre. Attention, attention. Apparition, directement. Bon, équipe pas trop de folie au final. Oh. Voilà, regardez, ils sont mignons. Oh putain, c'est... Oh, Chloé, putain. Ça va? T'as Chloé... T'as dit que t'étais pas d'humeur, on veut savoir. Non, on veut savoir. On dit tout au public. Si, si, ça va. On n'a pas envie de parler. Qu'est-ce qu'il y a, Chloé? Dis-nous tout, Chloé. Avec tes petites bretelles et tout. Mais j'ai commencé à 11h30, je finis à 23h, c'est tout. Oh non. Le roi du travail. Chloé, tu vois ta gueule, Norman. Tu sais ce qu'on va faire? Nous allons monter une cagnotte litchi. Oui. Oh, s'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. J'ai pas eu mon augmente. Qu'avant la fin de cette émission, nous sommes à 100 000 balles. Bon, et bon on Chloé. Achète une maison à Chloé. Pour Chloé. Dans le Loiret. Mais tu pars trop loin. On sait plus où ça va. Non, mais en même temps, c'est des rejournées. C'est et on envoie des cœurs, on envoie de l'amour à Chloé qui bosse du feu de Dieu encore une fois dans le chat. Vous savez, nos régisseurs, nos réals ont du talent. Bien évidemment. Alors, ce soir, pas mal de petites choses composées, si je puis me permettre. Je me suis rappelé parce que Marie. Aïbeko, elle a bossé. Elle a bossé de fou. Elle m'a dit, alors on a ça, on a ci, on a ça. Je ne vous spoil pas tout de suite. But, Aya veut souvenir, comme on dit en anglais. Je me suis dit, attends, vu que je suis avec Norman, je t'avais proposé peut-être un confession intime spécial qui? Elvis. Kingos, exactement. Kingos. Elvis, King Dididi. Oh, comme on l'appelle dans le mieux. C'est toi, Elvis, c'est quoi pour toi? Elvis. Ah, tes conneries, ton con. Elvis, bah, c'est une période, c'est une époque, c'est... C'est le même mec. Oh, le mec qui part en reportage, l'interview. Le mec trop chiant. Normal, spécialiste Elvis. C'est des bars, c'est des pauvres. C'est le rock, c'est les hanchés des années 80. Non, bah c'est déjà. Memphis, Tennessee. Ouais, déjà. Oh, Memphis. Tu sais qu'il est mort aux toilettes? Qui? Il est mort aux toilettes. Qui? Elvis. Johnny. Il est mort aux toilettes, pourquoi? Il est mort aux toilettes. C'est ses dernières paroles. Il est allé lire aux toilettes, il a fait une crise cardiaque sur les toilettes. Descendre d'organes, alors? Quoi? Il est mort à quel âge, Elvis? Bon, il est mort jeune, hein. Il a fait une crise cardiaque, je sais pas, 120. Non, il est mort à... Je vais pas dire connerie, peut-être. 22 ans. Non, il est mort à... Écoute, regardons, je sais même pas, 50. Ah, tu sais pas du... 50, ah, bah, 50. Marie, ça m'intéresse si tu sais à quel âge il est mort. 50, le 50 balais, 50 balais ou ah, moins que ça. C'est vrai qu'il est 42. Pas mort. 42 ans. Oh, 42 ans. Ouais, triste. Alors, pourquoi, Simon, toi, je sais que t'adores. On a chanté en duo. Falling in Love. Pour mes 30 ans, donc ça c'était très beau. Grand et puis il y a le film ouais. sur la biographie. Quoi, Baz Luhrmann avec Tom Hanks. Biopic, pardon. Ouais. Ça va être incroyable. Ça va être fou. Franchement, Tom Hanks qui joue le coach, tu sais, pas ce coach, c'est un. Qui a un peu pris de la colonel entre temps. Ouais, oui. Il est énorme. Mais ça va être trop fort. On ira le voir ensemble. Falling in Love. Il va venir à Montargis. Il y a Ted qui va venir. Les copains, il va venir aussi. On va se réserver une petite table et on va enchaîner séance et tambour battant, on va se régaler. Mais si, alors ouais. Mais ou alors quand tu viens pour le récap. Il veut pas venir. Il veut pas venir chez moi. Ah mais moi j'adorerais. J'adorerais. Parce que je suis arabe. Encore une fois, bah très bien. J'ai l'habitude. Non, ce sera on ira ouais. Ensemble, je pense qu'on va bien rigoler. Et du donc coup, Elvis, ouais. C'est le thème de ce premier reportage. Toi, tu kiffes Elvis, c'est le j'adore, king. J'adore. Ouais, franchement, c'est en plus c'est quoi, c'est sosie du coup d'Elvis. Là, non. Non, c'est un mec qui est fan. Au secours, Johnny.
Non, c'était pas celui-là du coup. Le mec, il on avait un truc. Mais c'est celui. Non, mais c'est parce que quand je vais mettre ça, voilà, c'est fini et ça passera sur le banc. Voilà. Ah oui, et mon mari se prend. Mon mari se prend pour le king. Ah, c'est même pas plus le sosie. Non, c'est pas le sosie. C'est un mec qui. Le mec, dans sa teuté, il croit que c'est Elvis. Alors ça, c'est costaud. Ça, c'est couillant. Toi, tu t'es déjà pris pour quelqu'un? Non, j'ai pas eu d'idole. J'ai jamais eu d'idole vraiment. C'est Vincent Cassel. Un Vincent, toi. J'essaie de sortir de son rôle. T'as un Vincent Cassel. Tu pourrais peut-être nous lancer, nous dire Vincent Cassel qui nous dit qu'il adore Elvis. Il est con. on essaie de le lancer. Attends, je suis interviewer. Ouais. Non, vas-y, bah, tu m'interviews. Je suis journaliste. Là, je viens pour le nouveau film. Bonsoir, monsieur Cassel. Donc, vous avez été sélectionné pour le rôle d'Elvis. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Bonsoir. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé le rock and roll. Et avec mon père, on faisait des déhanchés. C'était un truc de ouf. C'est quoi ça? Le déhanché. Il me régale. Il me régale. On faisait des déhanchés, je t'imaginais. Vincent Cassel. Vincent Cassel. C'est incroyable, cette émission est déjà culte. Parce que je te regarde, je sais que tu me vois et ça me... J'avais juste envie de déclencher les rires. Mais on a réussi, on passe déjà un bon moment. Ah, putain. Du coup, bah, je te propose qu'on commence. Eh ben, allons-y. Franchement, confession intime. Je vais mettre ça juste à côté, en confesse. On a déjà fait confession intime. On a fait quelques-uns, effectivement. On en avait fait un sur de la jalousie. Vous verrez qu'on a du programme, oui, on oui. a de la jalousie, femme possessive. T'as pas Arthur, hein? Non, ah, Arthur, on est obligé. Ah, c'est obligé, ça? Ah, c'est obligé. Arthur, c'est le fil rouge de cette émission. Donc, on termine avec, au strict minimum... Minimum. 43 minutes. Allô, strict minimum, allô, c'est 3 minutes. Un petit 3 minutes, Arthur, ouais. C'est 3 minutes. Bon, la dernière fois, on allait jusqu'à 5 parce que, bon, on avait de la peine. Mais, ouais, mais c'est 3. Dur. Et la régie souffre aussi. Ouais, on va pas mettre Chloé plus mal que ça. Non. On fera 10 minutes. Ça, c'est bon, tu déconnes. On a fait 5 minutes la semaine dernière et je pense qu'on se terminera avec ça. On est parti. Ben... Allez, Elvis. Oh putain, c'est parti. Nous régale. Bah, il... Oh la vache. Elvis, ouais. 2 mois avant sa mort, quand il fait, quand il prend de la cortisone. Elle l'a fait. Elle l'a laissé aucune chance. Elle l'a détruit. La femme, je t'ai jamais demandé. Elle a un chanteur qu'elle adore. Bon, par ma femme. Tu m'as jamais dit. On parle souvent de nous. C'est vrai qu'on parle souvent de nous. Et ta femme, c'est lui. Tu veux dire Corinne? Elle a un chanteur. Ouais. En vrai, elle aime bien Ed Sheeran. Ah oui, voilà, c'est la famille. Ah oh bah Tyrann, c'est un frère. C'est, il a franchement, incroyable. Tu peux pas ne pas aimer ça. Enfin, moi, j'adore Tyrann. Même si t'aimes pas, tu dis. J'adore Tyrann. Mais j'ai pas une passion pour un chanteur, une personne, au point de tout retapisser, etc. Ouais, t'as plus de la culture, t'es geek, machin, etc. Bah, bien, ouais, des figurines et tout ça. Mais c'est vrai qu'un truc en particulier. Enfin, mon chanteur of all time, c'est. De tous les temps? Oui, tu me connais. Attends, de tous les temps, toi? Oui. Je l'ai jamais dit. Bah, si. Toi, t'es un chanteur tous les temps? Je suis à genoux devant toi. J'ai ouvert mon cœur. Ah bon? C'est pas. C'est, il est français? Non. Ah, bah Elvis. Mais non. Attends, c'est quoi? Les gens là. Attends, j'arrête pas. Ah, putain. Michael Gibbs? J'ai vu les deux. Il avait un mix des deux. C'est MJ, merde. Ah, MJ Solar. Michael Jordan. Michael Jordan. Bah, il a chanté un peu. Ouais, Michael Jackson. Ah oui, Michael Jackson. Tu m'as jamais dit que c'était ton chanteur de l'histoire. Ouais. Tu m'as jamais dit ça. Oh, je t'ai montré ma collection. Mais non. J'en ai pas. Non, mais ouais, MJ, moi, ça, c'était... Ah, c'est une partie de ta vie. Ah oui. Ouais. C'est une grosse partie de mon enfance. Mais j'ai pas été au point de... Tu sais, j'avais toutes les musiques, tous les albums, etc. T'idolâtrais pas. Mais pas, ouais, voilà. J'ai pas été au fanatisme. Toi, c'est qui? Et le King? En chanteur pur. Ouais. De la pure. Pur chanteur. Moi, c'est chanteur, groupe, je sais pas, c'est un peu de tout. Tu m'as dit Jan Berkin. Qui ça? Jan Berkin. Jan Berkin. Tu t'y coups la boue. Elle est dans la boue. Tu vois, par exemple, on parlait de la Daft Punk là. Oui. Ça t'aimes beaucoup, toi. Partie de ma vie. Ouais. Toute la French House et tout. Et groupe. Ta femme, elle, pas du rien de particulier? Ma femme, elle aime bien les trucs, tu sais, mainstream. Henri Dess. D-E-A-T-H. Ouf. Non, mais elle aime bien les trucs. Elle aime bien les trucs mainstream et tout, un peu. Elle aime bien tout. Elle aime bien tout, quoi. La pop et tout, machin. Non, moi, j'aime tout. J'aime les classiques, les chanteurs. On n'a pas demandé en régie. En régie, vous n'avez pas le chanteur of all time, là, pour vous? Qu'est-ce qu'on a de bon? Chloé, si. Chloé. Je suis sûr que Chloé doit écouter Chloé. Des bains. C'est Sinatra, Chloé. Je sais pas. Je sais pas. Beko, je sais. Je veux chacun d'entre vous. Je veux Beko. Bah attends, vas-y, réponds pour moi, Genius. Beko, je sens, toi, c'est Booba.
parti. Non, en vrai, je dirais 47 terres en vrai. Quoi? Qui ça? Off all time. Bah non, mais en ce moment, ça, quoi. Ça, qu'est-ce que je vais péter mon crâne? Off all time, c'est trop dur comme question. Bah non, c'est pas trop dur. J'ai pas compris. Elle a dit quoi? Elle a dit 47 terres, mais tu veux pas entendre. 47 terres. Non, en vrai, Dwagby. Ah, là, on parle. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Après, c'est Sinatra. Mais avant, guerrier. Ouais. Bah attendez, on a Non mais moi c'est plus entre Pink Floyd et Daft Punk. Tu vois, c'est grosse hésitation. Ça c'est une belle personne. Voilà, c'est voilà, ça. Voilà, c'est que excellent, ça se voit physiquement. Non mais parce que les gens hurlaient quand même. Marie est cancel, hein, ça dit dans le chat. C'est quoi 47 terres? 47 terres? Non. Ouais, si tu roules un petit peu de terre. 47. Non, c'est un peu gros de rap. Un peu gros de pora. Non, mais c'est du rap doux. C'est du rap doux. C'est du rap doux, quoi. C'est vrai. C'est du rap. 47 terres, je connais pas. Ouais, c'est Marie, quoi, qui écoute. Ah, coup, c'est son côté écolo. Elle aime les arbres, les bonsaïs. Ils ont des sarouels, le mec, là. Non, mais ils font des trucs sympas. Mais quand tu dis off all time, je pense. Enfin, ils sont. C'est pas dans mon top 1000. Hein, mais c'est quoi, c'est genre doux? Genre quoi, c'est Marseille sans orchestre? C'est doux, c'est-à-dire, viens, une caresse pendant que tu chantes. Sans très doux, quoi. Ils font du rap. Non, c'est mignon, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Attention, hein, j'ai rien du tout. Moi, j'ai quelques petits morceaux que je suis en mode sympa, mais j'aurais pas pensé à ça. Ton préféré de MJ? De MJ? Trilel? Non, ça doit être Smooth Criminal. Smooth Criminal, et puis j'ai une affection particulière pour Speechless. Oh. Je vais te baiser. mais voilà. Je fais un petit bisou sur le cul. Oh, ça me regarde. As the snow flies on a golden gray Chicago morning port. Ah, tu vois? Bah ouais, ça, attends. Moi, ce qui me fume, c'est la... Non, mais le mec se met à chanter d'un coup, il est en mode... All the morning, all the morning. Ah, tu vois, je te l'avais dit. C'est vraiment un changement de voix qui est incroyable. Le mec... And wise men say, are you fool? Comment tu vas, frère? Attends, c'est-à-dire qu'il y a une prouesse? Ah non, mais il y a une prouesse technique. Il y a un truc, le mec. Il a un coffre. Il a un coffre. Il est pas... C'est pas horrible. Non, c'est pas horrible. Franchement, il faut le dire. Franchement, on va pas... Tu vois? Non. Oui. Gros, bah, au moins tu te couches. Déjà, bordel de merde. Vous pouvez pas avoir un lit? Non, mais c'est un pauvre matin qui est posé par terre au lieu de mettre des thunes dans Elvis. Y a plus d'argent. Achète un lit, frère. Tout l'argent dans Elvis. Et puis, gros, est-ce que tu te vois dans la chambre? Habillé. Couché. Oui, j'ai bugué. Dans la chambre habillée, ce qui est impossible, tu dors à poil, on le sait tous. Mais t'arrives dans la chambre, chez Watt, une chambre partagée, forcément, t'es avec ta femme. Bah oui. Et y a du Elvis partout et tout. Ah non, mais c'est clair. Et puis il chante. Faut que ce soit un truc à non, deux. Toi, une chambre, soit c'est un peu neutre pour que ça dérange personne, soit, tu vois, nous deux, on aime bien Harry Potter. Ma femme, c'est une collection Harry Potter. Elle a un petit truc sur le côté. Si je suis pas bon, on a le dressing à côté. C'est tout, c'est sop, c'est nickel. Deux, trois trucs, machin. Parce que vous avez tous les deux. Parce qu'on aime bien une petite télé devant, et puis basta. Mais attends, elle aime pas Elvis, elle en peut plus. Elvis la regarde, elle est cernée. Ouais, ça, elle non, mais... Ok, je comprends. Partout. Non, mais il a son sanctuaire, en fait, et le mec, il comprend pas qu'il décroche jamais. Ah, bah oui, bah, en plus, et surtout, il a son jamais. Sanctuaire. Non, mais s'il te plaît, regarde, remettez l'image en full screen, c'est dramatique. Mais regarde-moi ça. Et quoi, il y en a au-dessus, en haut. Au-dessus, un à gauche, et là, à gauche. Tout à gauche, on va le voir après. Mais c'est surtout la pauvre. Bon, déjà, qui dort habillé, hein, on est dans un reportage, évidemment, mais ça me fume. Mais bordel. Un lit, quoi. Ah putain, ouais. Ah non, le, je suis sûr, le... En plus, tu sais quoi? C'est mesquin. Quand ils font crac-crac, je suis sûr qu'ils doivent mater le King. Pourquoi tu ris? Falling in love with you. Oh, ouais, gros. Wise man. Mais c'est horrible, tu peux pas faire ça dans cette chambre. Bah, non, mais elle, horrible, mais lui. Memphis, Tennessee. Memphis, Tennessee. Ça, comment ça? Quand il croche. T'as plus envie de faire l'amour, hein? Regarde-le comment il regarde. Ben, tu vois, si tu as la lumière, tu vois plus rien. Mais t'as pas mis bien les yeux là, là. La photo là. Oh, il est fabuleux! Ah, la solution à tout! Alors lui. Il a réponse à tout! Il est pas! Grand monsieur! Eh! Hey. Hey. Si t'es éteint, tu vois plus rien! Eh, hey, les copains! Ouais, j'ai fait l'amour à ma femme! Sur le cinéma, le tournage! Bon, ouais, attends, je te dis! Les copains! Ouais, juste éteint la lumière! Hein. Là, je peux vous dire! Oh, il me tue! Oh putain, il est très bon! Ils ont eu des problèmes! Oh, il est excellent! Il est affreux! Il est coiffé de sa perruque gominée des années 50, de je crois qu'il brille vraiment comme ça. C'est costaud, hein. Et au pipo.
Et sans l'aide de sa femme. Faire un bisou sur le cul. Ah ouais, mais c'est pas. Oh, les ailes de pied. Romain. En gros, on avait. Alors écoutez bien, on avait un débat avec ma femme parce que moi, je ne suis pas tatouage. Mais je ne suis pas tatoué. Tu m'avais pas dit une fois. Non, attends, oui, c'est vrai, on avait parlé. Je n'ai rien du tout, à part le trou de balle. Putain. Il y a marqué creusé ici. Mettez votre nez. Mais, c'est mais ce voilà. Que c'est, deux trous dans un trou. Pardon. Deux trous dans un trou. Tu la connais pas, cette vanne? Non. Tournez dans mon cul. Bon, ça va, on peut pas décoller. Il a rendu avec nous aujourd'hui. Tu m'as régalé. Ouais, non, vas-y. Mais oui, non, mais parce qu'avec ma femme, on. Alors, les copains. Tu vas le faire à chaque fois. Ah, les copains, maman, on va voir du cinéma. J'embrasse Ted, qui est un frère. Les meilleurs recrues, on l'a dit tout à l'heure. On l'a dit tout à l'heure, exactement. Mais oui, on avait ce petit débat parce qu'elle me disait oui, tu voudrais pas faire un petit tatouage qu'on a en commun tous les deux. Je m'en pas très chaud. Elle voulait qu'on fasse un truc à deux. J'aurais dit salle de taf, comme ça. Non, mais parce qu'elle montre un tatouage, elle me dit ah, j'ai pris rendez-vous pour faire ça. Elle montre le truc. Je lui dis honnêtement, tu veux mon avis? Je lui dis c'est dégueulasse. Jamais. Ah, je lui dis c'est. C'était quoi? Je lui ai dit, c'est immonde, d'accord? Je lui ai dit, moi, je n'aime pas ça, mais moi, c'était mon goût personnel. Elle aimait bien. Je lui ai dit, tu fais ce que tu veux, tu m'as demandé mon avis, je vais pas te mentir, c'est de la merde. Donc là, bon, tu vois, j'imagine bien parler des fois ta femme qui est très. Tu sais, genre, elle veut juste avoir une réponse et toi, t'es là, c'est de la merde. Je t'imagine bien. C'est un peu ça, mais parce que. Fallait pas prendre des détours. Ouais, c'est bien. Non, mais à ce moment-là, c'est juste que tu dis, tu me demandes mon avis, là, je suis obligé de te le dire objectivement. Non, subjectivement. Mais c'était des ailes, les trucs tribaux. Non, pas du tout. C'était un dessin, mais en fait, c'était un style de dessin particulier que moi je trouvais pas beau. Et je lui dis, franchement, je vais être très honnête avec toi, ça me fait penser. T'as déjà vu les threads sur Twitter ou les Facebook ou machin, etc. Des tatouages les plus ratés, tu sais. Où tu vois le mec, il a fait la tête de sa fille, à côté, c'est un démon Gordon. C'est un démon, ouais. Une créature et tout. J'ai dit, franchement, tu pourrais être dans ce thread. Donc là, elle était et tout ça. Bon, elle était effectivement très déçue. Ouais. Et à partir de là, on a amorcé cette discussion. Elle me dit, mais qu'est-ce que t'aimerais que je fasse? Je dis, bah, déjà, t'as beaucoup de tatouages, parce que ma femme, c'est la carte du maraudeur. Hein. C'est vraiment. Ah, elle en a plein. Ah, bah, c'est vraiment. Et bref, et un moment. On parle des tatouages de kéké. Et je lui dis, les meufs à l'époque, c'était quoi? Sur le bas du dos ici. Ouais. Les comment? Le tatouage tribal. Hein. Oui. Oui, oui, voilà, justement. Oui, oui, oui. Mais je sens l'homme qui a très faim ici, le grignoteur. Non, ouais. Non, mais. Comment tu. Hey. Oui. La vulgarité, ça fait pas ça. Non, mais c'était un truc. Mais oui, époque. C'était les trous de balking à l'époque. on avait tout ça, exactement. Et les tatouages tribal. Et je dis. Pour un mec, moi, ce que je trouve genre hyper ringard, c'est des gars qui font des ailes dans le dos. Ah, des ailes dans le dos. Et là, qu'est-ce que je vois? Des ailes dans le dos. Il y avait un nageur qui avait des ailes dans le dos. Il y avait un nageur français, je crois, qui avait des ailes dans le dos. Lucifer. François Lucifer. C'est pas le même nageur. Mais voilà, je vous donne juste mon avis. Bah, oui, c'est vrai qu'à l'époque... Alors, pour moi, c'était moins pire que les trucs tribaux. Oui, bah, le tatouage tribal classique. Ouais, on a parlé de la Game Boy Advance SP ce matin avec. Ça, on dit tribaux, ça c'était. Bah, je sais pas, tribal. Après, chacun son truc, mais oui, c'est vrai que les ailes, bon. Et les meufs, souvent, c'était sous les uns. Le truc égyptien, maman, elle me dit, ça, avec les ailes, et, c'est Isis. Ouais. Isis, soleil. Ça, pareil, c'est giga. Ou entre les Nims. Oui, ici aussi, mais voilà. Donc, moi, j'ai dit ça, honnêtement, c'est des trucs qui. Ça fait bof en tatouage. Chacun fait ce qu'il veut encore. Et le petit tatouage sur le doigt de pied. Le doigt de Yep. Ouais, tu sais, ça, elles se font. Il y en a, elles se faisaient des. Non, je savais pas. C'est un truc, moi aussi, mais. Bon, voilà, c'est tout, c'était pour mon avis tatoué. T'es tatoué? Non, écoute, j'étais contre toute ma vie. Là, je suis pas forcément contre. Si un jour de me faire. Faut que je prenne un peu de masse. Tu m'avais dit que ce que t'aimerais bien tester, c'est de te faire une clé USB sur la bite. C'était ça. Mais en 3.0. Le bouble, le bouble. L'urètre. Non, le cauchemar. Est-ce que pour un set event. Si tu fais Non, ça c'est un truc. Déjà à Z-Event, j'avais fait un tatouage qui a pas bien tenu. Faudrait que je le refasse. De comment il s'appelle J'ai fait un démon japonais, machin, ici. Là, ah, ça truc. Oui. Et après, j'ai fait la flèche. Et j'aimerais faire un semi-permanent flèche comme ça qui dure quelques mois. Ah ouais hein. Ouais, pour rigoler, tu vois. Mais ça part. Mais voilà, et après, il faut le tenir. Hein, le truc même pour que je dis Clary, goal, sub-goal, enfin, donation goal, 1 million. 1 million? Ouais. Tu te fais pas un tatouage? Mais pour moi. Quoi? Mais pour moi. si j'atteins 200 000. 200 000, c'est... Un tatouage. Ah, mais moi, je me tatoue nous tout. Non, mais 1 million, et tu fais pas? Sur ma cagnotte? Ouais.
Ouais, mais c'est... Oui, bah oui, je sais. Parce que ça s'atteint pas. Un million sur ta cagnotte, ça s'atteint pas. Donc oui, un million, je mange du caca. Ouais. Non, attention, chaque année, c'est 250 balles. J'ai le contact, si tu demandes à la terrassine, ça me régale. C'est pas 500 qui est mec. C'était pas pour manger du caca. Ah non, c'est ventre le caca. C'était pour, voilà. Toi, si ta femme, t'es là et il y a une meuf qui te donne son soutif. Dans la peau de son gueule. Non, c'est mon métier. C'est normal, moi ma femme elle est pareil. C'est vrai, tu as raconté à Strasbourg. Attends, tu vas pas raconter, t'as une anecdote. On va le remettre, mais t'as une anecdote. À Strasbourg, je te l'avais dit ça? Non, tu t'es fait sucer. Ah, on jouait à Strasbourg, c'était pour le salon du jeu. Et je jouais sur scène et à chaque fois tu as une foule. Le boulard. Je jouais sur scène et là bon la sécu quoi, elle a les copains. Les copains, la maman du skinage. Et on joue sur scène, donc plein de gens, donc comme d'hab, c'était à l'époque où je faisais encore des gros salons et tout. Et une fille qui approche, je suis sur scène, elle me donne un papier. Je t'avais pas raconté ça. Avec un numéro. Ouais. Et moi tu sais, en fait, tu sais, des fois on me donne des dessins de moi, ouais, sympathiques, donc j'ouvre et je regarde, tu vois. Là je dis oh merci et tout. Et j'ouvre et je vois le numéro de la téléphone en mode appelle-moi le soir et tout. Genre j'étais hyper gêné, j'étais sur scène et tout, elle était plantée devant, genre comme ça, tu vois. Du coup, tu l'appelais le soir? Ah non. Arrête un peu. L'histoire dit. Je l'ai gommé sur scène. Je l'ai mangé, j'ai mangé. Pas de preuve, pas de preuve. Et toi, tu reçois une culotte. Mais ma femme, elle dit rien, elle est super heureuse. En plus, elle est pas jalouse. C'est vrai, que sur ta femme. Je pense qu'elle traque. Sur une flèche, sur une flèche d'Indien. Elle traque la meuf, c'est un girl game, le bordel. Tu, 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 tu. Avec deux haches. Oh, mais ma femme, gros, c'est impossible. Non, mais là. La dernière fois, je vais acheter du pain. Je dis bonjour à la boulangère. Elle me fait une queue de bras. Ça va pas, je à la boulangère. À la boulangère. Oh non, mais je te jure. Oui, c'est vrai que c'est du. Non, c'est vrai. C'est véridique, je te crois. 100%. C'est le premier salon du jeu de Strasbourg et j'étais sur scène. C'est vrai, c'est bien. C'est rigolo. C'est juste qu'en fait, il est devant tout le monde et je vois le truc. Et du coup, t'as été gêné. Bah, j'étais gêné. Gêné et déçu. Parce que la jeune demoiselle était bien. Pas mal, quoi. Si je peux dire. Ouais, bien you. Enfin, non, jeune demoiselle. Oui, elle est mon âge. Bien sûr, évidemment. Je parle de ça, j'avais quoi? Là, j'ai 35. Oh, j'avais 29, 28, comme ça. Ah oui, non, oui. C'était il y a deux jours. Il y a pas longtemps. Ouais, mais tu comprends. Il me régale. Tu comprends ça? Je comprends. C'est pas un indois. Je te montre. Il me régale. D'accord, non, mais c'est. Non, mais repenser maintenant. C'est pour dire oui. Ça me fait rire parce que c'est pas possible. Genre ça. Parce que toi, ta femme est jalouse aussi, je sais. Non, mais ça, c'est une connerie. C'est drôle. C'est drôle. Ça, c'est drôle. C'est drôle. Bah moi. T'es en soirée, ta femme est à côté, il y a une meuf, elle vient, elle fait. Tac, elle est morte de ta femme. Je me marre. Non. Elle prend la meuf comme ça, elle a menton. Ouais. Non, mais moi, je suis sûr que c'est moi qui prendrais tout. À chaque fois, c'est moi. Bah, parce que. Ah, bah oui, c'est ta faute. Ouais. Hey, t'as pas marre d'être beau gosse. Deviens une merde. Mais pourquoi je suis marié à George Clooney? Deviens Gollum, sale merde. C'est vrai, mais non, mais c'est ça. C'est ça, les femmes. C'est ta faute. C'est trop ça. C'est ta faute. Toi, t'as rien demandé. Arrête. Putain, c'est... tu veux la baiser, c'est ça? Et toi, t'es là, mais tu n'as rien demandé. Qu'est-ce que tu racontes? Des fois, elle me tape des crises. T'y penses qu'à ça, qu'à leur péter la rondelle. Elle me sort ça. Bah, c'est vrai. Allez, putain, c'est dérapé. Wise men say, only fools lie. Qu'est-ce qui va pas, Dustin? Expliquez-moi. Qu'est-ce qui vous met dans un état pareil? Submergé par l'émotion, de part s'isoler. Karine décide alors. Quatre, j'ai retiré 5 posters. C'est trop, il y a 6. J'ai enlevé 6 posters de ma chambre. Je pars 6 mois pour me refaire. Le mec, je pars à Camartage, Dr. Fred. Je... Que ça. Arrête tes conneries. Là. C'est le soir, non? Non, de nuit. Dis toujours. T'as qui craque toi? Attends, à chaque fois ça finit beau. En vrai, c'est vrai, ça finit mal, merde. Ouais, putain. Bah, il a fallu 20 minutes. T'as vu comment elle a réussi à régler le bordel? Ouais. En quoi? Une minute de reportage. Elle faut retirer les posters. Coupé. J'ai compris que j'étais. Voilà. Et puis c'est. Ah bah le soir, il y a déhanché. Ah bah c'est surtout qu'il n'y a plus Elvis. Voilà, donc plus de déconcentration. Exactement. Tu en pensais quoi? Je me suis régalé. Est-ce que tu trouves qu'il a abusé le mec? Ouais. Franchement, non, tu peux. T'es fou dans la bulle. Tu sais, on a tous. Moi j'ai mon espace, moi j'aime bien ça. Tu sais, maintenant j'ai ma streaming room, machin. Ok, d'accord. Mais jamais tu vas passer
Déjà, un, parce que moi, c'est physiquement impossible. Ah bon ? Parce que si je fais ça, terminado, fini. T'as fermé de tabasse, je crois. Ouais, puis même, j'ai pas envie. Si, non, je suis content, hein, le week-end. Hein ? Envie, toi. Non, oui. Il sait pas du tout. Non, mais tu vois, j'adore le week-end. Tu passes avec ta femme, ton fils, on va au resto. On passe, mais c'est vrai que lui, là, il s'était tout coupé. Il avait, pas, non, mais là, il avait mec, plus rien, quoi. Plus rien, et il dépense tout son pognon. Ça, c'est... Franchement, ça, je comprends qu'une femme pète les plombs. Ah bah, comme ma femme me dit, je peux accepter des défauts chez toi, tu vois, machin, je t'aime et tout. Mais si un jour tu as le vice du jeu. Quel défaut? Bah, si. On en trouvera pas ce soir. Ah, si, mais tu sais. Bon, attends, ça va me revenir, je t'envoie le... Un visage avantageux. Et un corps de rêve. Et elle m'a dit, tu vois, par exemple, il y a un vice que je... Oh, presque. Que je supporterai pas, c'est le vice du jeu. Tu vois, de mettre l'argent... Jeu vidéo, ouais. Du... Elle est mal tombée, hein. Moi, je n'ai rien compris. Oh, je déteste le jeu vidéo. Bah, t'as raison, non, mais le jeu à casino, voilà. Le jeu d'argent et tout ça. Et je l'ai pas. Tu vois, j'ai... ton problème de blackjack. Ah non, c'est ça, c'était en Lituanie. Mais du coup, elle m'a dit, ouais, ça, le supporterai, mais je l'ai pas. Mais je l'ai pas, tu vois. Enfin, je l'ai pas. Parce que je ne prétends pas. Mais. Je l'ai pas, je l'ai pas. Bon, je pourrais l'avoir. Je t'ai vu dans 2-3 cercles. 2-3 cercles. Mais chacun son truc. Tu es comme toi, les flippers. Tu passes quoi, 8-10 heures, mais après. Ah oui, bah, par jour. Par jour. Non, non, moi, j'ai pas de vis. J'ai rien. T'as... C'est quoi? Parce que tu sais, je vais te dire un truc. J'ai pas de vis particulier qui peut gêner. Après, je sais me modérer quand il faut se modérer. En fait, ouais. Juste, je considère que je suis. Attention, voilà, hein. Je suis plutôt pragmatique. Donc, il y a un moment où les flippers, ça rentre plus. Je ne veux pas être vraiment déjà cumulé, les machins et tout ça. Mais on cherche des solutions, on achète une maison plus grande. Je veux dire, c'est ça. C'est le mec qui essaye de trouver une maison plus grande. Mais non, mais au-delà de ça, il faut arriver à se gérer. Quand tu vois que. Moi, je pense, quand tu vois, c'est important dans l'équipe dans un couple, parce que quand tu vois que ta passion, elle empiète beaucoup trop sur ta vie de couple et ta vie de famille, ouais, bon, c'est que là, il va falloir mettre le holà ou faut limiter, tu vois. Nous, on a notre pièce. Après, ce qui est en dehors de mon bureau, bah voilà, c'est pour la famille, c'est machin, etc. Et c'est bien pour un couple d'avoir son... Mais bien sûr, chacun doit avoir son petit espace à lui. Et tu vois, sans te mousser, et là, c'est une question que je te pose devant... la France. Vous êtes 77. Ah oui, déjà. Et je me disais, ton défaut, Gigi. On ne se voit pas en dehors du boulot. Les cheveux. Non, c'est quoi ton défaut? Oui. Parce que pour moi, bon, je ne le vois pas comme ça. Tu t'occupes assez bien de ce qu'il faut à la maison. Avec ta fille, tu as l'air bien. T'aides ta femme pour les trucs. C'est quoi ton défaut? Si tu devais là. Trouver un défaut là. Lâche les choses devant les gens. On a quelqu'un dans le chat pour toi, Algéria. Si jamais tu as besoin d'idées, peut-être. C'est ouais, ma femme qui a dû donner le dé. Parce que moi, je n'aurais pas à dire. C'est ta femme qui est dans le chat. Figurine Pokémon ne rentre pas. Tu savais avant de les acheter. Ouais, bon, elle dit n'importe quoi. Elle doit être sous l'emprise de l'alcool. Oh, putain. Oh, hey. En vrai, c'est Billy, la sœur. Hein. Ouais, c'est Billy. Mais non, je sais pas. Des fois, en vrai. C'est dur hein, de trouver. Mais c'est hein. Dur. Moi, je préfère qu'on me dise quels sont mes défauts. Comme ça, je peux tabasser la personne. Écoute, j'allais le dire, mais finalement. Franchement, je sais pas trop. Je vais pas vous mentir. Mais, toi, c'est, hey. Mais ma femme dira peut-être un défaut particulier qui est gênant. Ah. Elle a dit. Trop têtu. Bon, est-ce que c'est vraiment un défaut? Ah, c'est une. Qui fait le charme. C'est une personnalité. Toi, c'est quoi? Je procrastine. Ah ouais? Je fais pas le ménage. Le mec, il sait pas ce que ça veut dire. Je procrastine. Je procrastine, vraiment. Je veux dire que oui, je suis comptable. Ouais, je remets les trucs. À demain, ouais, et au surlendemain. Et... Oh, tu peux le dire. Un branleur. C'est le mot. Je vais pas être coupable. Procrastiner égale branleur. Non, des fois, je le fais, mais je pourrais un peu plus aider à la maison. Mais okay. Honnêtement, on a tous des défauts. J'en ai pas beaucoup. Toi? J'en ai, tu vois. Ah, une demi-douzaine. C'est pas... Ah non, mais tu vois. Chacun a ses petits défauts. Chacun a ses petits défauts. Bon, en tout cas, il m'a régalé. Hein. Il m'a régalé, mais lui, quand même, il était. Oh, putain, dès qu'il y a du Elvis dans le truc, c'est. Il était quand même atteint du ciboulot, on va pas se mentir. C'est régal. On va prendre. Ça va? Attendez, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que t'es pas son truc. Non, mais en fait, c'est que la souris ne veut pas. Allô? La souris, elle met 20 secondes à se réveiller, c'est tout. Ah, mais 20 secondes? C'est pas énorme, hein. En même temps de crever. Et bah écoute, bah voilà, dès qu'elle se réveille. Ah voilà, c'est bon. Donc, je te propose. Qu'est-ce que t'as debout là? On part sur un autre confession intime. Qu'est-ce que t'as debout? Sur de la majorette. Mais celui-là. Non, je déconne. Eh bah, ce sera la majorette. Non, parce qu'en fait, l'autre truc que Xavier m'a proposé, il fait 50 minutes, on n'aura jamais le temps. Parce qu'il reste une heure, on a les deux autres. C'est quoi? Et après, on a ma jalousie est en train de tuer mon couple, ça dure 30 minutes aussi. Alors, ça, tu veux commencer avec quoi? Alors, confession intime, c'était 2 secondes, je vais te dire, c'est elle. Ah ouais. Majorette à la vie, à la mort. À la ou alors, comme on a déjà fait en confession intime, on peut peut-être
faire le break avec le... Ouais, ouais, parce que ça fait deux d'un coup, sinon. Voilà. Du coup, tu fais le... C'est à quelle heure, le Arthur? C'est pas tout de suite. Arthur, c'est à la fin. Non, c'est à la fin, c'est en clos, l'émission. Ah, mais on aura le temps. On a toujours le ouais, temps. Ouais, régale-moi celui-là. Celui-là, il est... Ah, il doit être... Ma jalousie est en train de tuer mon couple. Attends, c'est où c'est... Mesdames et messieurs, c'est... Toi, pas jalouse, ta femme, t'as dit. Si, très. D'accord. Moi, pas jalouse, trop jalouse. Pas jalouse non plus, du tout. Parce que c'est dans le chat. Moi, ma femme... Clique de like deux fois. Sur ça, ouais. Elle est incroyable. Elle est parfaite. Elle est, mais je n'ai aucun... Elle pas de défaut sur ça. C'est vrai. Elle me laisse faire ce que je veux, pas jalouse pour un fou. Faut m'aider. Le mec, non, même... ma femme est très jalouse. Déjà, très, très, même très, chez très, toi, je te regardais. Très, très jalouse. Oui, bah, elle m'a mordu l'oreille. Elle avait. Tyson. Donc, non. Mais ça va. Comparé au début, je sais pas s'il y a une évolution. Moi, ça fait combien de temps que t'es avec ta femme? Moi, ça fait 35 ans. J'ai 30 ans. Ça se voit pas. Non, ça fait 12 ans. 12 ans. Et bah voilà, super. 12 ans. Et bah, tu vois. Excellent. Et je sais que entre le début et maintenant, il y a quand même une évolution énormissime, mais très. C'est... Après, c'était un point c'était... des fois. C'était costaud. Oui. Oui. Quoi, pourquoi tu souris à elle? Pourquoi tu lui parles et tout? Ouais, des fois. Ouais, mais ce que tu fais. En mode, mais c'est parce que c'est parce qu'on sent. Enfin, c'est au travail. Je dis bonjour parce qu'en fait, je suis juste. En fait, ouais, pourquoi tu dis bonjour? C'est abusé quand même. Ouais. Ouais, en émission, je te trouve. Tu devrais pas parler en émission. Ah, je devrais fermer ma gueule. Et il y en a un qui le sait, ça. Je l'embrasse, hein, c'est le frérot, mais il me fait toujours rire. Qui? C'est LRB. LRB, Saccord, le frérot. Saccord, ce bâtard. J'avais déjà raconté, mais il me fait trop rire parce qu'il est venu au truc qu'on a fait, la Poké Race. La Poké Race qu'on a fait avec Vitel, que Sunday a remporté. Et ce bâtard, oui. Il fait quoi? Il est là, machin, on parle, on finit le truc. Et il dit, comme il sait que Emily est super jalouse et tout, machin, etc. Et il n'arrêtait pas de faire des vannes parce que Sunday avait gagné. Et il envoie un message à Emily, donc à ma femme, et lui dit: putain, abusé le câlin de fou que Jiraya il a fait à Sunday et tout. Et vraiment, et du coup, je te demandais. Et moi, j'avais appelé ma femme en lui disant: il casse les couilles, Saccord. Et ma femme, elle fait une story Insta en arrobasant Sunday, tu vois, en lui disant: écoute pas ce qu'il dit, Saccord, c'est un connard et tout, machin. Et gros, et Saccord, Saccord, il est trop chiant, il est sur mes codes tout le temps. Il rigole. Et après, tu lui renvoies des messages en mode: ouais, enfin bon, c'est. Enfin, bizarre l'ambiance. Bizarre. Mais belle soirée. Bah, bizarre, bah, bon, le câlin de fou qui le fait, mais bon, bizarre. Émilie, ça la rend dingue parce que c'est que c'est fou, mais il fait exprès pour lui casser les couilles. Et moi, ça me fait trop rire. Je te jure. Ah bah, il régale. C'est très bon. C'est, il est très très bon. Et toi, ta femme? À part deux, trois meurtres. si, elle est jalouse. Elle m'a dit: si tu commets irréparable. Oui, mais après, il y a quoi irréparable? Bah, elle m'a dit: serrer la main de quelqu'un, quoi. Si je regarde, c'est ça que je suis comme ça. Non, bon. Elle m'a dit non, pas dans un truc elle est jalouse. Ouais, jalouse. Jalouse, okay. Mais bon, moi, voilà, bah c'est moi, bon. Vous avez à peu près nos situations, donc nous, on peut analyser encore une fois ce genre de situation en disant: on peut se comparer, il y a abus. Il y a abus. Voilà. Et on embrasse Émilie. Hein. Bah, évidemment. Et dans le chat, elle est là, regarde. Elle vous dira, elle me régale. C'est la folie. Ouais, je me fais biber. Voilà. Bon, on arrête de parler de ça là. Je te promets, Romain, je vais m'énerver, je vais pleurer. Je t'arrête. Elle est en train de rouler. Elle est en train de rouler. Elle roule à terre. Je te jure, Romain, je vais m'énerver, je vais pleurer. Pleurerai. Tu veux que j'en arrive là? Ouais, t'as de la gauloise. T'as un petit œuf doux? Un petit œuf doux. Tu peux me servir à boire? Tu peux me servir c'est vrai qu'avec des projecteurs et tout, je suis un peu chaud. Tu peux me servir un verre d'eau? Ouais, pas de problème. Tu veux un verre d'eau seulement? Si t'as de l'eau gazeuse. J'aimerais. Je veux un verre d'Evian, s'il te plaît. Ah, gros, bah j'ai que ça. Oh, bah c'est parti. Bah attends, je vais te prendre la bouteille. Attends, tu vas me servir là, tiens. Pas de soucis. Donc je te vais. Les gars, on a plus de 30 ans. Dites-vous que le rire n'est jamais mort. Oh putain, c'est. On est fatigué. On est une sorte depuis midi. Hein. Ça, c'est beau. Quand même. Hein. Et ça, c'est... Mais qu'est-ce que je ris. Je passe une belle soirée. Ah, mais moi, je régale à chaque fois. Vraiment, non, mais, de façon, soirée. On serait là dans le canapé sans rien. Bon, oui, en train de rouler une clope. Ouais, genre, machin. C'est... Non, mais c'est. Et pas discuter. Moi, je pour l'instant, vous nous dites au chat, peut-être qu'on abuse aussi. Il y a d'autres regards. Mais vous trouvez que le mec abuse ou pas? Parce que bon, il est quand même allé danser. Il a souri à quelqu'un. Il a souri pour rien. Il y a rien. Non, c'est juste un problème. Il a passé une soirée avec des meufs. Machin. Le mec, il fait rien. En plus, il fait 4h, 13h. Il bosse à l'usine. Il se fait laver. Par contre, je pense que ça, c'est vraiment son caractère et tout. Il a l'air d'être le soumis. Tu vois, c'est le dominé du couple. Donc, du coup, il fait rien. Et je pense
pense que là, c'est un appel à l'aide. C'est un cri de détresse. Donc, tiens, je te dis, même si à la rigueur, si elle avait un enfant, elle s'occupe d'enfants, c'est super dur aussi. Bon, elle peut dire, allez, t'en entends, tu viens avec moi, machin. Elle a même pas de gosse. Non, non, bah, elle bosse pas. Elle pas bah, non, pas, tout, son doit, temps, tout son temps est accaparé à la jalousie, en fait. Ah, c'est zéro. Bon, après, elle doit bosser. Je lui avais jamais dit que, au jour d'aujourd'hui, j'ai peur de le perdre. Ah, parce que... ah, ce que tu détestes. Tu vois comme je commence à te connaître. Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu me détestes. Mais juste dis aujourd'hui en fait. Ah, ouais. Ou à l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Mais oui, mais n'importe quoi. Au jour d'aujourd'hui. D'où vient cette détestation de cette expression? Au jour d'aujourd'hui. Alors, si je dis pas de bêtises historiquement, c'est Napoléon pour la première fois. Il utilise à Waterloo. Et du coup, il se fait fusiller. Et à partir de là, ça a été interdit dans l'ensemble du monde. Dans l'ensemble de l'établissement. À today. Avec la main comme ça. Non, je sais pas, mais c'est pas français. Au jour d'aujourd'hui. Même, ah sachez qu'à l'heure d'aujourd'hui. Oui. Alors qu'aujourd'hui, ouais, c'est. J'ai bien envie de l'accepter, mais c'est pas acceptable techniquement. Ouais. Ah non. Non, mais t'as raison, t'as tillon. C'est. Voilà. C'est comme un espèce, une espèce. Hein. C'est... Donc on dit. Bien sûr. Bien, une espèce. Et t'es bon, exactement, tu t'es pas fait avoir. C'est un ? Non, c'est une. Pour le coup, c'est vraiment une. C'est bon. Je te promets. Regarde. C'est vraiment, c'est une... c'est vraiment ouais. On dit une espèce. Une espèce, c'est une ça. Espèce. C'est ça, c'est ça. Voilà. T'es tellement bon là-dessus. Attends, elle a trouvé un truc. Le fait que je retrouve rien dans son portable. Eh bah ouais. On va dire que ça ne fait qu'empirer les choses. Hein. C'est une dégénérée. Quand on voit franchement, que... Franchement, ça me rend... Bon, ma femme arrête mon téléphone, mais je m'en fous. J'ai rien d'accord. Elle ne va pas rentrer, comprendre dans machin et tout. Elle ne va pas, tu vois, m'empêcher de prendre le truc. Quoi. Hein ? Pardon ? J'aimerais qu'on revienne. Ma femme regarde tout mon téléphone. Non, mais qu'on s'arrête quelques instants. Que tu te fais en position de juge. Ah, je me permets. Juge Dredd. Juge Dreddlock. Mais... Ouais, ouais. Qu'est-ce que ta femme, elle. Bah, une inspection. Non, des fois, elle a le téléphone, elle a l'autorisation, elle peut tout regarder. Elle a l'autorisation. Ah, déjà, elle a l'autorisation de téléphoner, mais tu es un grand prince. Toi, attends, il y a d'autres choses de fou que elle tu fais. Une fois pour je lui donne les restes. Non, elle a mon téléphone, et puis, tu sais, elle, deux fois, elle regarde WhatsApp, machin et tout. De temps en temps, elle m'a fait, putain, t'es obligé de lui envoyer ça et tout. À qui tu sais, un pote, tu vois. Un pote ouais. Ou... ouais, ouais. Ou non, non, mais des fois, j'ai des potes, même au féminin. Des fois, elle me dit ah, et tout, encore elle, c'est... machin et tout. D'accord. Donc, des potes féminins qui t'envoient des petits messages. Ah, j'espère différent. Un visage avantageux. Non, mais tu sais, moi, je suis très pote avec beaucoup toi, de mecs. Hyper sociable. Mais ouais, j'ai plein de potes meufs. Et du coup, elle me dit putain. Ah ouais, t'as plein de potes meufs ? Bah, j'ai plein de potes meufs, tu vois, même ici ou ailleurs, tu vois. Elle me dit putain, à chaque fois, ouais, encore machin et tout. Mais tu vois, mais rien de grave. Mais elle regarde, elle a mon WhatsApp, mon truc et tout. Mais il n'y a aucun souci. Là-dessus, ça va. J'ai rien à cacher. Donc ça va. Mais elle a mon compte Twitter aussi. Ah ouais? Ouais, sur son téléphone. Et mon compte Insta. Ton compte bancaire. Donc on... et ben, ça, oui, c'est vrai. Ton compte URSAF. Oh putain. Non, c'est rien. Tiens, regarde. La télé. Ah ouais. Mais ça, par contre. D'accord. Mais elle me laisse. Non, ouais. Mais je suis curieux d'avoir l'avis des gens. Vous laissez votre. Moi, elle peut regarder, il n'y a pas de souci. Non. Continue. Non, à côté, non. Moi je vais vous expliquer quelque chose. J'ai envie de savoir. C'est très très important. Moi, à un moment, ça me gênait. J'avais même changé mon code pour déverrouiller mon téléphone parce que ça me faisait chier. Des fois, je voyais qu'il y avait un truc qui avait bougé dans mon téléphone. Parce que gros, moi frère, j'ai une mémoire. Ouais. Tu me lâches, tu me fais voir le chemin une fois, je sais revenir par tous les chemins possibles et tout. Et ce téléphone, s'il y a un truc qui a changé, ou que quand je fais ça, ma fenêtre, c'est pas la même, c'est pas... et que c'est... Ah ouais, je le sais instantanément, tu vois. Ah oui, et oui. Du coup, des fois, j'étais en mode, c'est bizarre ça, parce que j'ai pas fait ce bruit. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc, du coup, j'avais changé. Et un jour, ma femme, elle vient me dire, dis. Ouais, elle vient me dire. T'as pas l'heure. Mais non, mais c'est. Ouais. Attends, on va mettre la musique dessus. Ah ouais. T'as changé ton code. Elle me blague alors qu'elle le sait. Très t'as bon. Changé ton code. Très bon, tout, très bon. Très bon. Oui, elle me dit c'est quoi. Je fais bah attends, je vais te déverrouiller moi, les copains. Je vais te déverrouiller. Allez, copains. Je vais te déverrouiller le truc moi-même, etc. Les copains. Et vous dire pourquoi. Parce que moi, je n'ai rien à cacher. Quand ma femme me dit ouais, je peux regarder. Moi, je dis, oui. Si tu veux. Déjà, bon, elle me le demande pas parce qu'on se fait confiance. Ah, tu as son téléphone. Mais c'est surtout au-delà de ça, je déteste. Mais alors, mais vraiment, tu peux pas savoir. Ça me, je pourrais tuer de chagrin. De chagrin. Non, mais vraiment, ça m'est hors de moi. Je déteste que quelqu'un soit sur mon téléphone. J'ai l'impression
qu'on est en train de, ouais, de violer quelque chose. Ouais, ouais. De oh non, on va quand même faire non, mais les mots sont des armes. Mais ton intimité, mais ouais, y a, non, violer ton intimité. Je, ouais, d'accord. Je, moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Que ce soit ma femme, n'importe qui. Alors, ouais. À part si je lui donne, je dis ouais, tu peux me faire ça, machin, etc. Ouais. Et qu'on prenne mon téléphone et qu'on parte avec pour faire un truc, je pète mon crâne. Ah ouais, ça, je suis d'accord. Et ça peut paraître très bizarre. Dérangeant. Chacun a ses petits trucs, ses tocs. Moi, c'est le téléphone. Téléphone, je fais tout avec, soit métier, machin, etc. Et je n'ai vraiment, à ma femme, je lui cache rien. Rien du tout, à part une chose. Je cache rien. Putain, j'ai passé. Hop, comme ça, je rentre pas ce soir. Ouais. Je dors chez Max, elle va dire attends quoi, il a dit ça dans l'émission. C'est bon, c'est bon. Elle est toujours dans le. Putain, elle est partie. Et. Tu as dit j'ai vu des trucs, tu sais même pas. Je dis si parce que bon, je peux pas montrer, mais des fois il y a des choses qui sont modifiées, je suis en mode je sais. Mais des trucs et là non, mais là voilà, mon code et tout, elle peut pas aller sur mon truc cochon. Mais j'aime pas. Pff, des dingueries. Mais non mais ah même, bon. Non, pas ça, juste de tout, de rien, des, ouais, des... parce que j'ai mes comptes bancaires, j'ai tout, moi. Mais j'aime pas ça. Ouais, mais vraiment, quand on me demande, je dis bah tiens, regarde, voilà, c'est tout. C'est non, oui, mais... on a ce truc, et moi c'est le téléphone, je sais que j'ai vraiment. Et ta femme a un téléphone, elle a le mien, ça va. C'est mais elle a un téléphone, ta femme. Bien sûr, un téléphone. Bah, tu vois, elle a l'eau potable. Elle peut marcher, elle peut sortir. Non, mais je veux dire, elle a une cour. Elle a souvent été condamnée. Non, mais oui, bien sûr. C'est juste, voilà, moi, j'aime pas ça. Après, chacun a sa personnalité, c'est son truc. Mais c'est vrai que j'aime pas ça, quoi. Moi, les TJ égale gros baiser. Aussi, bon, en vrai, en vrai, je suis un tueur. Mais je reste une légende, si je peux me permettre. Donc voilà. Mais toi, elle est comédie, après, je suis jamais parti avec ton tel ou quoi. Non, rien à voir. Je vous dis, on a une confiance absolue, mais moi, j'aime pas ça. Ça c'est j'ai l'impression qu'il y a une petite embrouille. Avec qui? Bah, avec ta femme, calmez-vous. Avec toi? On est pas là pour ça. Avec ma femme, non, mais ça va se régler. Hein. Non, vraiment pas. Donc, lui, moi, elle a tout, etc. Mais à un moment. Parce que je m'étais rendu compte, j'avais fait ce petit piège de j'ai changé. C'est très bon ça. Le truc, et je me souviens toujours parce qu'on était en voiture et on s'arrête sur une aire et je dis tu veux pas mettre le truc sur Spotify et, ouais. Et tout. Elle dit ouais, je peux mettre la musique. Ouais. Et hop. T'as souri. Elle a fait. La gueule. Genre, Zerma, c'est une actrice quand même. Ouais, elle a fait. La gueule. Comme ça, tu sais. Genre. Tu peux mettre code. T'as changé le code. C'est comme énorme. Je dis bah attends, je vais faire avec l'or. Moi, tu peux me donner code. Ah, c'est bon. c'était incroyable. Voilà, bref, voilà. Non, par contre, on n'accrochait pas bien sûr la serrure de la salle de bain. Non, mais ça. Ça me choque. Hein. Ça vraiment, c'est. Mec, c'est... Ça, aller chercher mec, ton téléphone et tout. J'ai envie de péter. Ça me donne envie de péter. Non, il y a des limites à ne pas franchir. Mets-moi un petit coup de ça là. T'es sûr? Non. La plupart du temps à la plage, il y a des jolies filles. Et les jolies filles, soit c'est elles qui les regardent, soit c'est. Ouais, mais ça c'est chiant. Elle. En fait, pour moi, ça c'est pas un argument. Attends, excusez-moi, je remets pas dans les chiants, mais j'aimerais qu'on décortique tout ça. C'est pas mais un argument. Il y a des jolies filles. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On flingue toutes les meufs qu'on croise. C'est... Et t'es obligé de sortir dans la vie. Tu vas faire les courses, tu fais quoi? T'es comme ça? Ouais, non, arrête tes conneries, regarde par terre. On avait vu ça, tu vois, le reportage où la meuf elle lui dit regarde par terre, regarde par terre. Ouais, regarde par terre. Oh mec, dinguerie. Catastrophique. Tu peux pas. La terre est peuplée de personnes en fait. Donc il y a des jolies femmes, des jolis mecs, des jolis machins. Bah oui. Est-ce que tu sors, t'es en mode je sors que pour voir des belles meufs, j'ai envie de me branler quoi. Personne fait ça. Non mais faut arrêter à un moment. On est en 2022. On a des sites internet. Ouais, ouais. On n'a pas besoin de sortir pour trouver des gros tarpés, frère. Donc, il y a un moment, il faut arrêter. Je vais péter mon crâne, en vrai. Ça m'énerve. Mais oui. Oui, mais le réel. Tu vois. Exhib. Exhib. Outdoor, exhib, flashing. Pas bon, les moi, gars. Il y a un truc qui arrive au mollet. Et lui, oh, regarde le mec là. Mais regardez le mec. T'as vu, regarde le mec. Solène, va donc s'accrocher. Oh non, la honte. Alors là, gros, par contre. Alors là, vas-y, donne-moi ça. Vas-y, tap. On fait à chacun. Vas-y, putain. Mollo, parce que quand même, je. Putain. Tu t'es déjà fait traîner par ta femme comme ça? Alors ça, mais je vais te dire, ça m'en fout. Et tu sais quoi? Je veux pas que ça t'arrive. Alors maintenant, tu lui dis dans le chat, allez dans le chat. Dis les choses. Ok, oh, je vais te faire ma vote secrète. Vas-y. Ça va aller très vite. Attends, parce que. Alors, vas-y. Attends, je me mets bien. Tape. La rapide, c'est prêt. Gauche droite, les belles. Oh putain, oui. Ah, c'est bien. Tape plus fort, c'est bien. Plus c'est un, t'as pas mal. La douleur n'existe pas dans ce dojo. La douleur n'existe pas, c'est bien. Attention, esquive. Esquive. Attention. Elle est belle. Vas-y. Par la vie, imagine. C'est Millie en face. Oh putain. C'est mec. Putain, ça fait plaisir. Les pieds. Vas-y. Oh putain, tu me régales de fou quoi. Ça fait du
putain. Oh la vache. Et... Hein. Oh. C'est le mec qui... Jure, Jamel. Là, à chaque fois, tu... Une vanne, le mec. Oh. Oh la vache. Oh la... Alors, pause. Non mais ça, ça... C'est la folie, là, ce qu'on va faire. C'est la folie. Non mais ça, c'est... Oh, c'est... Attends. C'est physique. Bizarre. Vous connaissez un certain Cyril Gunn qui m'envoie un message? Do you want be my, my fighter, my... N'importe quoi. Ah bah attends. Attends, honnêtement, sur un round, il y a moyen que tu le... Sur un round, il y a moyen s'il est attaché et que tu lui coupes les bras les jambes sur une chaise. Philippe Croizon. Et qu'il est comme ça. Il y a moyen que tu prennes. Oh putain, les amis, mais qu'est-ce qu'on rit. C'est horrible. Mais elle est attachante. Mais après, ça va être ton... T'as chiant. Des célibatantes dans le chat. Des célibatantes, t'as chiant. Non, elle a un côté attachante. Elle est sûre qu'elle est fragile, mais... Ouais, attachante, attachante. Quel âge elle a déjà ? Personne extérieure à votre couple. À ton avis. Attends, il a déjà oublié. Quel âge elle a ? Attends, tu m'avais dit, elle fait au moins... Elle a 21 ? Non, j'ai eu... Non, elle a plus, plus. Elle fait... Elle a pas 30 ? Un tout petit peu moins. 25. 21. Mais tu me la mets à chaque fois. Mais tu me mets, putain. C'est pas spécial. Ça, c'est un... On a... Tu sais, il y a chacun à son super pouvoir. Toi, c'est celui-là. C'est... Et il est incroyable. Il est incroyable. Avec je l'adore. Et moi, il... Et tu me sublimes. Non, mais c'est... Ah, tu es mon millésime la plus belle année. Je ta kryptonite. Non, comment ça s'appelle, là, de Superman, là ? Kryptonite. Ouais. La kryptonite. Oui, voilà, c'est ça. Kryptonite. Putain, c'est ça. Ah, il me régale. Ah, putain. Au final, c'est quoi, faire un enfant ? C'est peut-être la solution. Pardon, cauchemar. Bah non, mais peut-être qu'elle va, elle va déverser tout son amour sur le gosse. Mais gros, non, je peux pas te laisser finir ça, gros. Quand t'es dans une relation comme ça, toxique à ce point où le mec a envie de se foutre en l'air, tu te dis pas, et le mieux à faire. Non, parce qu'il lui faut juste un déclic à elle, au niveau de l'affection et de l'amour, pour pouvoir transposer son amour sur quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Ou faire un enfant. La quitter. Non, mais vraiment, gros, c'est la pire des solutions. C'est la conforter dans son idée, et c'est le pire moyen. Ça peut même... je dirais, accentuer la pathologie, entre guillemets, parce qu'elle a un moyen de pression pour le faire le lock. Là, j'ai un gosse, tu peux plus partir. T'es la famille de Karine Grandval. Sa mère. J'ai vu que t'as le même... Je suis sa mère. Donc là, non, c'est... Non, mais, non, mais elle a l'air gentille quand même au fond. C'est ça qui est sa matrice. Toi, tu veux des gosses partout. T'es juste... Non, mais elle a l'air gentille, ça me fait chier de... T'sais, c'est pas la connasse absolue en non, mode... Non, oui, par contre, non. Tu vois, elle est... Elle 21... est insupportable avec lui. Juste voilà, lui. Mais elle est attendrissante. Mais par contre, situation horrible, je suis bien d'accord. Non, pour moi, c'est pas la bonne solution. C'est vraiment la conforter dans... et se renfermer encore plus. Ils vont pas faire un truc genre, la serveuse, elle a parlé au gars. Elle va devoir faire des efforts en commençant par changer progressivement... Commençant par faire l'addition. Je croyais qu'elle allait dire... J'aurais kiffé qu'il fasse genre un coup monté en mode... Oui, la serveuse, elle s'arrête et... Je rappelle la dernière fois. Eh, mais c'est un truc de malade. Mais vous êtes musqué. Mais c'est musqué. Mais je vous connais, je me connais, moi. Vivi. Je suis une chaudière et je vais vous sucer. Bien joué, Joe. Oui, bien joué, Joe. J'ai une bouche à vite. Elle meurt sur place. Là, terminé. Plus il est coupé en deux. Tu sais, Shao Kahn. Oh putain, j'avais pas vu. Quoi? Derrière Johnny Sin, sinon flouté. Ça fait quoi? Mais juste derrière. Oui, putain. T'as, j'avais vu. Le vrai Johnny Sin. C'est le vrai, hein? Ouais, c'est le vrai. Plaisir d'offrir. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. J'ai jamais d'idée de fleurs. Un bouquet de fleurs. Mais par contre, fleurs, Romain c'est ne fou. Semble pas du tout avoir remarqué qu'elle avait changé de coiffure. Ils sont pas les couilles. J'avoue, c'est... Bah, il ferme les yeux, hein, quand tu regardes. Hein? Tu vois rien. Tu souris? Je suis pas réveillé, je peux pas me réveiller. J'ai coupé les cheveux. De Norman. Ah, c'est un pote à toi. Ah, tu vois rien. Tu vois rien. Je parlais. Aucune idée. Rien du tout. Le mec est aveugle. Il a... Dans sa tête, ça va très vite. Putain. Il y a un truc qui s'est cassé à changer. Comment? Les lunettes, je suis pas réveillé. Non, mais ah, si, j'ai vu. Bien sûr, j'ai vu. Tout à l'heure. Et je t'ai offert un bouquet de fleurs. Tu m'emmerdes. Mec, je suis pas réveillé. Il est très bon. Il est très bon. Ah, il est fabuleux. Je crois qu'un mec avec une dégaine comme ça, il n'y a pas de quoi être jaloux. Pourquoi je remercierais. Pas un seul message. Non, non. Alors non. Alors, attends, alors, aucune critique. Aucune critique, mais tu vois, tu. Quoi, tu ris? Non, mais attends, c'est objectif. C'est une question que je te pose. Quoi, tu ris? Non, mais elle est jalouse de fou. Oui. Franchement, il l'encourage à pas être jalouse parce que t'as la guendé. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oula. Non, mais c'est toi qui viens de me le dire. Non, mais tu vois, il prend pas soin de lui. C'est pour ça que je l'aime. Il prend pas soin de lui, tu vois. C'est parce qu'il met des termes sur des têtes. Non, mais il prend pas soin de lui. Non, mais tu veux dire que voilà. Moi, genre, je me fais beau, machin, etc. Oh, mais tu mets du parfum, machin, ok. Lui, il fait pas attention à lui. Donc, au final. Après, il vient de se réveiller, gros. T'es dur. Ouais, ils sont comme ça. Quand il a mis sa petite chemise tout à l'heure. C'est vrai qu'il y avait la chemise tout à l'heure.
Ouais, c'est vrai. Jenny, c'est un giga. Non, mais les gars, on a le droit de rire, putain. Ah non, non, mais il n'y a rien pas, critique. Bon, y a voilà. critique. Il est très sérieux. Non, mais quand tu sors en jogging, machin, tout le temps, moi, si je fais ça, ma femme me dit ah, t'es habillé comme un sac, un poulet et tout, donc ça va, tu vois, encourager. T'as vu ma dégaine aujourd'hui, je me suis mis beau. Non, mais toi, à rien t'habilles. À rien t'habille. Oui, un chapeau. Tu vois, c'est le vêtement qui te porte, c'est pas l'inverse. Tu vois, mais par contre, si je mets la chemise, le parfum, le truc. Change machin, un homme, tu veux dire. Ah bah ça change énormément. Il est un peu nonchalant, c'est ça que tu veux dire. Il est nonchalant. Il s'est eu gros guise, laisse porter par le. Ouais. Donc du coup, elle a pas de quoi être jalouse. Bah non, c'est pas qu'elle a pas de quoi. Alors que si. Si elle était avec toi, alors là, elle lui hurlerait. Toujours tout mal. On a des privés. Mais voilà, là bah oui, tu vois, si tu mets le truc, la dégaine, les vêtements, les gens se rendent pas compte que la tenue, ça fait vraiment beaucoup de choses. Ça peut tout changer. Et les douches, prendre des douches. Bon, ça c'est tous les jours. Ça c'est, si je peux me permettre, c'est le petit plus. C'est le petit plus qui fait plaisir. On prenait des douches dans le chat. Ça peut être un petit, c'est un petit plus pour compléter. Ça pourrait être sympa. D'accord, je vois mais, ce que tu veux non, dire. Tu vois ce que je veux dire. Non, mais bien sûr, pour ceux qui se posent la question, on remet la dégaine. Non mais là ça va, c'est pas choquant. Oh le menteur, elle va être THU. Non parce qu'il y en a, ils vont dire je non je, que attends, je critique, je juge pas. Pas du tout. C'est juste qu'il y a une différence entre s'habiller, entre bien s'habiller, faire attention à lui. Regarde, il est en jogging kawaii. Jogging kawaii Marcel. Oui. Maman en tous les cas, SR, chose SR. Une super rare. Super rare. Dokkan Battle. Ok. Arrêtez. Tu aimes aussi. Mon amour, via la vie, mon amour, pour la tienne, on a pu avancer, la beauté, la beauté, la beauté, la beauté. Oh, j'adore le Portugal. Et on a eu un beau reportage encore une fois. Il m'a fait plaisir parce qu'on a pu un petit peu tous, ben ouais, encore une fois se livrer. S'y retrouver. Et partager notre expérience. Ouais, et alors, retrouver un peu. On peut revenir sur la dégaine. Voilà, s'il te plaît. Non, parce que je veux pas qu'il y ait de quiproquo. Moi, je juge pas les gens, je juge jamais. Chacun a sa vie comme il veut. Mais, situation, je suis chez moi, je sors pour dehors une soirée. Tu en vois. Prison. Je mets un. je sors, il y a le matin, il me dit c'est bon, tu peux y aller. Tu peux sortir, 7 heures de bonne journée. Et je mets jogging, chaussettes et tout, t-shirt de gaz, machin. Et tout. Tu dis que tu prends pas de soin de toi, tu n'es pas. Voilà, ma femme, pas... elle va me dire, elle va être beaucoup moins jalouse, elle va dire putain, il est habillé comme un cul, c'est pas comme ça qu'il va se faire aborder ou quoi que ce soit. Par contre, si tu sors machin tout le temps, net, oh, impeccable, course, même pour incroyable. Le moindre truc, bon bah, tu dis ah là, au moins il y a quelque chose, c'est ça que je suis en train de dire. Donc, après, c'est important aussi pour un couple de continuer le jeu de la séduction. Tout le temps, non, mais tout le temps. Mais moi, j'arrive chez moi et c'est plus qui je suis. J'ai une perruque. Un faux-nez. Un monocle. Les copains. Les copains, on a trouvé des deux par deux. Bonsoir madame. Les avec copains. Mec, il y a une barbe. t'imagines. Tu sonnes chez toi, t'as un monocle. Il arrive chez lui, personne ne reconnaît. Bonsoir, on était avec les copains. Tu te mets à table à dîner. Est-ce que je pars du sel s'il te plaît, chérie? Ma fille en larmes, c'est qui? T'as le monocle, une dent en moins. Oh, on passe une belle soirée. Non, mais on se régale. On passe une belle soirée. Peux-tu faire un petit bout sur le cul? C'est bon, sur le coq. Non, mais bon, messieurs, là, je suis au bout là. Il reste 12 minutes. Oh, franchement, si on va vite, on a le temps. On a le temps en régie ou pas? Ouais. Ou c'est chaud? On finit à l'heure ce soir. On a le temps. On finit à l'heure ce soir. Parce que évidemment, parce que le dernier, bien sûr, il fait. Hop, je te le mets. Oui, il fait le dernier là. Il fait 20 minutes et majorette. Majorette, voilà, 20 minutes. 20 minutes c'est bon. Oh, c'est rond. Bah, largement, on est rond. Du coup, il n'y a pas de temps pour Arthur. On a toujours le temps. Arthur, c'est 3 minutes, on a toujours le temps. On a toujours le temps. Mais c'est violent, Arthur, attention. C'est violent. On est parti, on enchaîne directement majorette à la vie, à la mort. C'est une proposition. Arte et Marie, elle m'a dit qu'on allait se régaler. Voilà. Si l'incroyable histoire, c'est comme le prolongement de sa main. Alors que ce soit pour préparer le repas ou même pour repasser le linge, cette mère de famille de 6 enfants ne se sépare jamais. Et même quand elle fait l'amour. Mais pourquoi cette position? Elle a le droit de dessus aussi. Elle a son bébé dans les bras. Non mais quoi, elle est en train de parler. Alors moi, c'est Ginette. Les copains. Les copains. À la boulangerie, je prends une baguette. Ah franchement, putain. Corinne annonce Sénat, tous les projecteurs. Ça signe Sénat. C'est son dernier souffle lors d'un festival. Pardon. Je voudrais mourir sans cette. Non, c'est Dalida. C'est Dalida. Très, attention à Cindy Sanders, il a dit mourir sur scène, sale connard. Ouais, je peux me permettre.
vous plaisir. Aujourd'hui, t'as vu, ça se... plus personne achète de bouteilles pour verser dans des verres à l'ancienne. Coiffer sa fille pour le défilé. C'est l'étape la plus compliquée car Manon n'est pas vraiment du matin. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as vu, ça se fait plus, c'est un truc à l'ancienne d'acheter des bouteilles de coca, c'est des grandes pour verser dans des verres. Aujourd'hui, c'est des canettes. T'as vu que plus personne ne fait ça. Fais pause. J'ai remarqué ça. J'aimerais être sûr de bien comprendre ce que tu viens. T'es en train de dire qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus d'acheter des bouteilles beaucoup pour se servir des verres. En fait, Alors, si jamais je t'explique juste un truc. Hein. En dehors de la frontière de Paris, existe d'autres villages et petites villes qui résistent à l'envahisseur. Et les gens ont de la vaisselle. Et ils se versent des verres. Attends. Non mais attends, le chat regarde. Bon là, il est pas d'accord. Non, alors ça se fait encore, mais avouez, le Valois lui a pété la tête. Oui, ça se fait en province, mais avant ça faisait, même nous ça se faisait partout. Oh, le mépris. Non mais c'est lui. Les gens se servent encore des verres. C'est lui qui vient de dire. Moi je trouve qu'aujourd'hui les copains, ça se fait beaucoup plus d'acheter des canettes ou des bouteilles de verre ou des petites bouteilles de verre. J'ai l'impression beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus que de mettre du. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Dans une certaine mesure, c'est vrai que il peut y avoir des facilités, but en style acheter. En fait, les gens achètent toujours des bouteilles plutôt que des canettes. Tu sais pourquoi ? C'est très simple. Le prix. Acheter des canettes, c'est beaucoup plus cher qu'acheter au litre. Si tu achètes ton 2 litres de coca et que tu vas acheter un pack de canettes, frère, ton pack de canettes, il est trop cher. C'est vraiment beaucoup plus cher. Dis-moi de te. Non, vraiment, non. Mais je vois non. Oui, N-O-N, tu es malade. Ouais. Non, donc, c'était pour tester. Tester le chat. Tester la France. J'ai pensé à ça hier, je pensais que c'était ça. Tu sais. Mais j'ai le droit de poser une question. C'est peut-être l'émotion qui te. Voilà. Moi, je suis nature, j'ai le droit de poser une question. Non, mais bien sûr, écoutez, les gars. Mais toi, tu dirais que toi, en tout cas, personnellement, t'achètes plus de canettes. Avant, je le faisais. Mais. Ça fait, je sais pas combien de temps, j'ai pas acheté une bouteille. Une vraie bouteille. Voilà. Et quand je vais dans des soirées et des machins, et je fais pas que le Valois, non, je vais partout, même en dehors de Paris. Ah oh, oui, une fois, c'est jusqu'à Clichy. Hein. Non, et tu sais, je vois plus le côté. C'est son, il y a des canettes, chacun prend sa canette. Quand t'es venu chez moi vert. Pour mener 30 ans. Bah, j'ai pas plus de coca. T'as plus au goulot, gros, d'une bouteille. J'ai plus de vodka. Oui, ça se fait, il y avait pas de canette de vodka. Bah, c'est une canette, quoi, c'est une grosse canette. Oui. Mais tu vois, enfin. Oui. T'avais une bouteille de coca ? Bien sûr. On a que des grosses bouteilles, je vais pas prendre. Ah ouais. Parce qu'en fait, c'est à part pour la Red Bull, puisque ça n'existe pas, ouais, c'est ça. D'avoir des grosses quantités. Bah sinon t'es. Enfin c'est mieux d'acheter en bouteille, gros, vraiment. Ah non, mais... Et en plus de ça, la bouteille, au moins tu peux quantifier. Des fois tu ouvres une canette, t'as pas envie de la finir. Ouais, c'est vrai. Voilà. Non mais je sais pas, je m'étais dit ça que. Et mais personne. Et on cherchait tes défauts tout à l'heure. Et ben trop riche. Et ben là, c'est où défaut. Compte pas son argent. Mais c'est pas un droit avec les sous. Arrête tes conneries. T'es fou. Arrête. Les fois, le pack. Fais voir tes dents. Bon, remets ça là. Mais non, mais. Mais tu vois ce que je veux dire ? À une certaine mesure, ça a changé. On consomme plus. Et bien voilà. Bienvenue à vous qui aimez les pénis. C'est fini, c'est fini. C'est un changement d'un coup. Ça me choque. Ça, c'était une émission. Elle a duré trop longtemps, ça a duré une heure. Où c'est des gens dans un château. Ils se rencontrent pour la première fois. Et ils se pulvérisent. Salut les copains, je peux y mettre un peu. Dans... Et voilà. Mais et du coup ça, on regarde. Ça doit être très bon ça. Et ben c'est Xari qui avait proposé, mais comme on avait plein de reportages et qu'on avait le King, qu'on avait. Putain. C'est dur. Faudrait une émission de 10 heures. Putain, mais tu sais quoi, mais on peut pas le faire. Ça me régale à chaque fois. Et j'ai passé une super soirée. Mais on s'est régalé. Mais que serait une super soirée. Franchement, on va contente. Sans Arthur. Je crois que t'avais oublié. 3 minutes. Elle est où la boîte? On n'a pas le choix. Elle est où la boîte? C'est. Putain, Arthur. Il y a quelqu'un, toi? Bon, Arthur. T'as un Arthur. Oh non, on l'a pas. Oh. En régie, il est plus là. Arthur. Il est dans le runner. Ah, bah attends, je crois que le runner est toi. J'avoue, je l'avais pas ouvert, je voulais pas. Non, bah t'as raison, c'est de la merde. Tu t'es dit. On est obligé. C'est parce que les gens, on a fait une promesse. C'est comme un contrat. Avec les gens. Par contre, putain, on s'était arrêté à chaque fois que ça reprend à zéro, quoi. C'est un cauchemar. 1h59. Mais ouais. Et on était à 27 minutes, je crois, un truc comme ça. La régie, vous vous souvenez ou pas? Les gens, vous vous souvenez à combien on était la semaine dernière? Parce que c'était très, très dur avec ça. Je crois qu'on a fait du rab, on est monté à 28 minutes, je crois. Est-ce que vous êtes à 28 minutes? S'il te plaît. Ouais, on en était là. On en était là, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il me connaît. On en était là. On était à 29 minutes. Voilà, on a été là. Est-ce que vous avez rigolé une fois?
Est-ce qu'on a rigolé une seule fois? La réponse est absolument pas. C'est le moment où Xari a vomi. Il a régurgité un petit peu. Et il a serré des dents, hein, pour tout garder, évidemment, à l'intérieur. Et, attention, c'est très dur. Grand producteur, grand animateur. Mais pas grand humoriste. mais parce qu'il y a un mais, si je puis me permettre. Si je souligne bien le mais, encadre-le. C'est pas son cœur de métier. Producteur très bien, mais qui laisse le reste aux autres. Tu avais dit, Hanouna, il avait fait un one-man aussi. Ah ouais, okay. Ça, j'aimerais qu'on le trouve, ça. Il a, je crois que, mais il a fait genre... Il a fait combien de dates? Une. Trop peu, ouais, bah, par rapport à Arthur, beaucoup moins. Mais c'est trouvable. Je pense que c'est trouvable. Hanouna, ça doit être Masterpiece. Hein. Ça doit être Masterpiece. Masterpiece, hein. Of shit, mais ça doit se trouver, quoi. Et puis après Hanouna, tu peux passer sur Julien Courbet si tu veux. Lui, il a marché. Lui. Il a fait les campings. Ah, j'ai rien à dire. C'est cringe quand même. Hein. C'est cringe à suck, mais Courbet, Arthur, faut pas croire. La salle est pleine et les gens se marrent. Cirque d'hiver, il a rempli combien de temps. Non. Du coup, je te propose, c'est qu'on est sur du 3, entre 3 et 5 minutes, on s'arrête. À partir de 3 minutes, on met une option. T'avais dit entre 0 et 3? Non, c'est entre 3 et 5. C'est minimum 3, 5. Ouais, 3 et 5. Généralement, on va jusqu'à 3. T'es prêt? Non. Là, je te mets le contexte. On s'est arrêté. Là, il fait une espèce de... Hey, copain. Ouais, une espèce d'happening avec... je trace le téléphone de ma femme avec ce satellite et tout ça, machin. Si vous voulez, je peux vous remettre tout le passage, hein, pour ceux qui l'ont loupé. Mais on va éviter de proposer du mal comme ça. Si, on peut se raconter, non? On est parti. Allez. Allez, bah, sûrement, je vais rigoler. Sûr. C'est sûr. Au moins une fois. La voilà, ma beauté. T'es fou, quoi? On va l'observer. Alors, voyez le mec qui est derrière? C'est l'espèce de tapette, là, qui sert à rien, là. Vous avez vu comme il est pas beau? On va regarder dans quoi il tourne. C'était pas prévu. Action de quoi? Tournez-vous! What the fuck, bro? Qu'est-ce qu'il fait? Il y avait pas Zizi Fesse là. Non. Oh, y a rien, on le voit, c'est en face de toi, gros, y a rien. Ah oui, là, c'était en bas. Mais c'est. Attends. Non. Oh. Non, ça va, y a rien. C'est une scène de pure baise. Y'a pas un bout de nichon? Non, on voit rien du tout, heureusement. On peut continuer. Personne, tu me fous l'Arjuma! C'est quoi cette tenue? Roche Mollet, on avait dit que des films d'auteur. D'auteur? Oui, en quelque sorte, oui. En quelque sorte? T'es à moitié nu dans un lit, c'est un film d'auteur. On s'était mis d'accord, toi et moi, on s'était mis d'accord. Il fait un sketch interactif. Tu t'étais mis d'accord, Arthur, tout seul. Just a second, Douglas. Arthur. Just a second, Douglas. C'est un truc qui parle anglais. Incroyable. On a ri. C'est-à-dire qu'il a appelé sa femme et dit « Chérie, je veux que tu participes à mon spectacle. » Je vais passer parce qu'en fait, comme j'ai pas vu, regarde, là par exemple, le man, il est semi à poil, on sait jamais. Je regarde, voilà, il est en slibar. Le slibarus. Là, il se tient la queue. Là, il court. On sait jamais. Oh là, oh putain. Attends. T'es une merde. On est à 33 minutes. Non, on va jusqu'à 36. Surveiller ma mère, on l'aurait vu dans sa cuisine. On sait jamais. Faire des boulettes. On est marre d'être jaloux. J'ai essayé de comprendre les femmes. J'ai lu un livre. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Bon, j'ai appris un truc. On n'est pas du tout de la même planète. En plus, moi, je suis poisson, signe d'eau. Mon épouse est taureau, signe de terre. À nous deux, ça fait de la boue. Quand elle m'a dit, j'aimerais tellement construire quelque chose avec toi. Bah, qu'est-ce qu'on fasse de la poterie ou quoi? Non, la vraie différence entre l'homme et la femme, c'est pas le sexe. C'est les cheveux. Ah, c'est ça la vraie différence. Vous savez, quand on doit aller au restaurant et que notre femme est dans la salle de bain et qu'un coup elle fait « Oh, je déteste mes cheveux !» Bon, je vais prévenir le resto qu'on aura 2 heures de retard alors. Vous n'entendrez jamais un homme dire « Je déteste mes cheveux » parce que nous les hommes, tant qu'on en a encore des cheveux, on les aime. Et on va rien leur dire de méchant qui pourrait leur donner envie de partir. Bon. Bien écrit. Réel. Vraiment, il met le doigt sur des choses. Ouais. Il met un pied dans la fourmilière. Il a un tour d'observation, ce bonhomme. Et non, c'est grand ce monde. C'est ça la vraie différence entre l'homme et la femme. C'est pas le sexe, c'est les cheveux. Vous avez observé votre femme sous la douche? Elle n'est pas comme nous, notre femme sous la douche. Vous savez, moi, je vous le disais tout à l'heure, j'ai 40 ans et je fais partie d'une génération. J'ai grandi en pensant que les femmes faisaient tout comme dans la publicité. C'est comme ça que j'ai fait mon éducation. Et moi, j'étais persuadé que vous, mesdames, sous la douche, vous vous savonniez comme ça. Fa, fa, fa.
GG pour la référence. T'as vu ta femme sous la douche? C'est pas comme dans la publicité. Elle a un gant en bois avec des clous, elle fait... C'est ça le glamour, mesdames? Des gants en clous. En plus, moi j'étais persuadé que vous vous... J'aime bien la regarder chez moi, ma femme. Pa, 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 j'aime bien pa, pa, la... Attention, c'est la lettre D ou P que tu voulais placer. Quand tu parles, regardez ce doux, ce douché. On clip ce moment. Se toucher. Très... Moi, j'adore. Regardez, ma femme se toucher. C'est rapidement. Se... Tu l'as dit très, très vite. Quand même, se doucher. Et... Tu peux mêler les deux. Oui, mais il y en a des deux qui n'arrivent jamais. C'est pour ça. Les douches. Il me tue. Il nous reste encore une minute, malheureusement. Putain, ça fait pas déjà tout là? Je te jure que c'est dur. Putain, c'est, on dirait, tu sais, on dirait un enfant qui fait des bagarres. Ah, mais même un gros enfant. Ma fille, ouais, ouais, ne rigole pas. Ça, c'est une fille mariée. Avec les cheveux jetés sur les côtés. J'ai l'impression que j'ai pris. Non, les rires, c'est pas rajouté, hein, c'est une vraie salle. Hein. Non, mais après, chacun. Regardez, tout le monde est mort de rire. Je critique pas, chacun voit ce midi à... Par exemple, moi, j'étais persuadé que quand elles prenaient le temps de mettre leur collant, elles faisaient comme dans la pub. Vous connaissez la pub où les filles font... Il est beau quand même, bel homme. Je pense à la pub. Eh bien, c'est sur ces images d'archives que nous allons nous quitter. 36 minutes 4, on a fait 4 secondes de rap. Il est bon. Il est bon, hein. Oh, ça vieillit pas. Tari. Hein? Boudali. Tari, qu'est-ce que c'est? Boudali. C'est... Voilà, voilà. Franchement, j'ai énormément de respect pour cet homme producteur et animateur. Pour l'humain. Mais c'est... Non, l'animateur producteur, l'humain, j'en sais rien. Je mettrai pas ma pièce. Je pense pas que ça soit la même pierre. Mais par contre, mais c'est pas possible. Un enfant, un enfant qui vient de naître, il est plus drôle que ça. Et on dirait qu'il le fait exprès. Il faut le dire. Je sais pas comment c'est possible. C'est très nul. C'est très mauvais. Au-delà du réel. Après, on n'est pas dans la salle, tu es dans la salle, tu ris. Alors attends, d'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai jamais regardé. S'il y a des commentaires. Voilà. Les commentaires, je me... Tiens. Ah mais merde, j'ai pas vu. Ce qui est déroutant, c'est que l'intro est assez violente quand même. Merci Gérard. Concernant le spectacle, je suis à 15 minutes. En vrai, ça va, c'est pas si pire. Je veux dire, j'ai pas rigolé, mais je vois où il veut en venir. Et les ficelles qu'il utilise. On analyse, mesdames et messieurs, mais c'est incroyable. Attends, c'est énorme. Ah, c'est énorme. C'est pas raté. T'as vu la suite? J'ai pas vu. C'est pas raté, comme Norman, par exemple. Oh non, il parle de ton spectacle. C'est un salaud. Je l'ai écrit. Oh non, il parle de ton spectacle. Pour ça, tu prends pas trop mal. Ça va, il a bien marché. GG, gros. Mais tu sais que j'ai été. J'ai adoré, moi, ton film. Pas très normal, activité. Attends, tu sais que moi, j'ai fait une scène à Évry. J'ai fait un two-man show. Je suis arrivé sur scène en serviette devant 1500 personnes. Arrête tes conneries. Deux heures et demie de spectacle. J'avais fait ça, j'avais écrit ça avec Sacha Judasco. Et t'avais fait 2h30 de spectacle. Qui bosse pour Romanoff et qui a fait une pièce avec Ben. Arrête tes conneries, jure la vie de ta mère. Vite ma mère, à Évry. À Évry dans l'arène. Et t'as fait 2 heures de spectacle, toi, t'as tenu en deux heures et demie, à deux. Deux heures et demie avec des fils. Un two-man show, oui, pardon. Fil rouge, on a accueilli des gens et tout. Ouais, ouais. Et... Bon, c'était de la merde, mais par contre, à côté de ça, mec, je suis Tariq Boudali. t'as un génie de l'humour. Mec, je suis Boudère 2. Je l'avais fait. Honnêtement, je veux bien te croire. Je veux bien te croire. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce réel. J'espère que vous avez passé une agréable soirée. Oh, merci, on s'est encore régalé. Norman, merci de m'avoir accompagné le mardi, encore une fois. C'est la journée de ma semaine. C'est pour moi, c'est ma journée préférée. Du mois même. Mais de l'année. Mais que un mardi. Je ne dirai pas lequel. Vous ne m'aurez pas. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. On a bien rigolé encore une fois. Merci à la régie pour ce rap. Incroyable. Merci à Arthur d'être ce qu'il est. C'est un grand monsieur, mais pas. Mais pas maintenant. Donc il va nous laisser tranquille. On vous embrasse encore une fois. Vous êtes superbe. N'arrêtez jamais de rigoler. Boum. À demain. Et vive le coquin bouteille. C'est cool.